Bienvenue au Naturoptère, à Sérignan-du-Comtat dans le Vaucluse. Nous sommes dans le jardin expérimental semi-naturel. La biodiversité est à l'honneur dans les jardins, mais également dans nos expositions. Venez, on va vous faire une petite visite. Venez, c'est par ici. Donc vous êtes sur le Naturoptère, qui est un centre culturel et pédagogique dédié à la nature dans la commune de Sérignan-du-Comtat, pays de Jean-Henri Fabre. Le Naturoptère, depuis 2017, est géré et porté par l'Université Populaire Ventoux, qui œuvre depuis plus de 30 ans autour de sujets environnementaux. Sa raison d'être, c'est d'accompagner des salariés vers un emploi durable. Toute l'année, on forme des salariés et en même temps, on les accompagne sur leurs futurs projets professionnels. Observer le vivant sous toutes ses formes, c'est la meilleure façon de connaître l'environnement dans lequel on vit. Car n'oublions pas que les humains sont des vivants parmi d'autres, et que nous vivons tous sur la même planète. Mais d'ailleurs, vous vous êtes sans doute déjà posé la question. Qui sommes-nous ? Qui sont ces autres vivants ? Qu'est-ce qui nous différencie des autres formes de vie ? Que partageons-nous avec d'autres espèces ? Comment cohabitons-nous avec les autres vivants ? Donc la future exposition va permettre de s'interroger sur notre place en tant qu'humain, moderne, homo sapiens, au sein du vivant. Notre projet d'exposition se veut être un espace immersif et ludique pour les visiteurs de tous âges et de toute sensibilité. On aimerait vraiment qu'il y ait un parcours sensoriel avec des sons, des odeurs, des éléments à toucher, des jeux. Cette exposition se veut être un espace de rêverie et d'introspection sur notre espèce homo sapiens. Pour transformer ce projet en réalité, nous avons besoin de vous.